Aujourd'hui, j'ai pas de rancœur en moi. J'ai pas de haine, j'ai pas de. Je suis assez apaisé, tu vois. J'ai des souffrances différentes, mais elles sont plus en rapport avec le vide et avec le côté fade des choses et plus. Ça ressemble plus à de la dépression, tu vois. Même si jamais je suis pas dépressif, mais j'ai des petits tempéraments et tout, tu vois. Mais j'ai plus de souffrances aiguës sur des sujets précis comme avant, quoi. Tout ça s'est calmé et à l'intérieur de moi, j'ai plus trop de mauvaise énergie. Je suis assez bienveillant avec tout le monde, j'ai pas d'ennemis, j'ai aucun ennemi, j'en veux à personne. J'ai aucun ennemi, j'en veux à personne. Et tu le combles comment ce vide dont tu me parles? Et tu le combles comment ce vide dont tu me parles? Avec des projets, c'est la meilleure chose. Hein. Des projets quoi, des rêves. Des projets quoi, des rêves. Des rêves et des projets pour se fixer des dates, des deadlines. Et puis il faut travailler quoi. J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Et je la regarde enchaîner les cigales. Et tu le combles comment ce vide dont tu me parles? Et tu le combles comment ce vide dont tu me parles? Je parle avec lui, c'est un homme que j'ai en face de moi. C'est quelqu'un. Mais qui vous a fait du mal? Pourquoi? Parce qu'il m'a quitté. J'ai aucun ennemi. S'il ne m'avait pas quitté, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas faites. Donc, je trouve qu'on a été sincères tous les deux. Vous savez pardonner? J'en veux à personne. Oh oui, complètement, bien sûr. Bien sûr. Et puis, je pense que ça aurait été terrible de se dire des choses aussi fortes, aussi belles, qu'on a pu s'en dire, et puis d'un seul coup, les renier. Je trouve que. Il y a un autre langage, il y a une autre manière de se retrouver. Il y a une autre façon de cheminer l'un à côté de l'autre. C'était juste, c'était ça qui m'aidait à vivre, ça s'appelle l'espoir. C'était de l'espoir. J'étais sûr qu'un jour, les choses allaient changer.